chacun son écho. Le vin n'est pas cher, chacun son écho. Écho, dites-lui que je l'aime. L'aimer te voir, c'est lui-même un soldat ivre. Un serpégeux, j'aurais besoin d'une lanterne. Je tourne, et le puits. Votre bleu, mettre la main sur ma caserne. Monsieur la rose, à quel ennui, dans quel état? Monsieur la rose, dans quel état, oui, c'est bien lui. Comme il est gris, voyez son air, voyez sa mine. À nous approcher, il s'obstine, dans quel état, si ça permet. Comme il est gris, voyez sa mère, voyez sa mine. À nous approcher, il s'obstine, dans quel état, si c'est permis. Feignant de votre vie, en fait de route, c'est certain, la plus courte est la meilleure. Quelle heure est-il? Il est l'heure, il est l'heure. Passez votre chevaux, votre chevaux. Au premier qui bouge, il doit arriver malheur. Mais voyez, comme il est rouge. Dites rien, c'est une couleur. Hein? Tonnerre, la jolie femme, la jolie femme. Sur ses lèvres de corail, un baiser peindra ma flamme. Vous sentez le vent et l'œil? Oh, cédez à ma flamme ardente, près de Vénus, Mars et vainqueur. Mettez-vous derrière moi, Nathan. Un homme ne me fait ma peur. Mettez-vous derrière moi, Nathan. Un homme ne me fait ma peur. À ce mot, je ne me sens pas d'aise, et reconnais une Française. À moi, ma colombe, mes amours. À moi, ma colombe, mes amours. À moi, ma colombe, mes amours. À moi, mes amours. Que vois-je? À quelle petitesse? Un soldat de mon régiment qui ose attaquer une jeunesse. Défendez-vous, défendez-vous, serons. Je viens pour ça précisément. Monsieur. Ne craignez rien, madame au fourreau. Je rengaine mon lame. Ah, c'est bien lui. C'est mon poublon, je devine. Écoutez-moi, mon sergent. Faut qu'on opérisse. Une bourrade, hein? Une bourrade, hein? Poussez-moi. Yeah. Poussez-moi, poussez-moi. Yeah. Demi-tour, à fond, ma foi, je te flanque à la salle de police. C'est bien fait. Je vous dirai tout, Nicole. Combien le plus loin de mon Son rôle terminé, la Rose se retire. La tante Jobin, fort émue, trouve le sous-officier alsacien aussi aimable qu'héroïque, mais celui-ci juge ses affaires suffisamment avancées pour une première fois. D'autre part, la veuve passementière lui paraît, selon son expression, assez embêtante. Et il décline une invitation à souper pour le soir même, sous prétexte qu'il n'a pas de bermision de 10 heures. Puis il salue gauchement et s'en va.
mais Madame Jobin entend avoir son sauveteur à souper. Or, elle connaît fort bien le colonel du régiment des gardes françaises. Il faut trouver quelques moyens pour qu'il vienne souper avec nous. Il y viendra. Mais s'il n'a pas de permission... Il en aura. Mais s'il ne la demande pas... On la demandera pour lui.